Et salut tout le monde, ici Coco Sanasset pour un nouveau gameplay. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay sur Call of Duty Black Ops. Oui, c'est un match à mort par équipe sur la map Nuketown. Et vous pouvez voir que c'est une partie privée au sniper. En fait, si vous voulez, alors désolé ma petite voix, c'est le matin, je baille. Oh, je viens de me réveiller. Enfin bref. Je disais, oui, c'est une partie privée au sniper. En fait, c'était un petit match de team entre la team Zeus, qui est la mienne, et la team Biz. Ils se reconnaîtront, je pense. Ils voulaient pas qu'on la mette, en fait. Bah, vous allez voir pourquoi ils voulaient pas qu'on la mette à la fin, hein, tout simplement. Et en fin de compte, on avait fait cette vidéo, il me semble, deux fois, mais Nico, la première, ne l'avait pas filmée. Alors oui, d'ailleurs vous pouvez voir qu'on est sur le personnage de Nico là qui fait les kills. Et moi j'étais dans la partie aussi, bah bien sûr normalement. Pourquoi normalement? J'étais dans la partie normale quoi, c'est moi le leader donc je participe au match. Et bah vous verrez bien le score, regardez bien la feed pour voir ce que font les membres de la team. C'est important. Et voilà, on voit que Nico enchaîne bien les kills et tout, c'est super. Alors, on avait, oui, comme je disais tout à l'heure, on avait renouvelé deux fois le match. Et le premier, on l'a gagné. Vous verrez bien ce qui se passe dans celui-là. Et on avait une petite, non, pas plus une tradition, c'est pour le dernier kill, il fallait qu'on fasse parce que eux, ils étaient pas au top top. Donc on a dit, ouais, on fait un petit 3-6 pour la fin, tranquille. Peut-être un 3-6 Titanic. Bon, vous savez bien que sur Black Ops, le Titanic en killcam, ça a un peu de mal. Mais bon. Enfin bref. Vous pouvez voir qu'ils étaient pas très très réglo non plus, hein. Vous allez voir, ils donnent des coups de cut, ils hardscope un peu. Donc bon. Ce qui est bien, c'est que Nico a laissé regarder les killcams du coup. Ça donne un peu de. Oh, je suis désolé. Bye. Ah, c'est le matin, c'est dimanche matin là. Je me suis levé tôt juste pour voir la petite vidéo et l'uploader sur YouTube. Comme quoi, j'aime faire ça. J'adore faire les vidéos pour vous, chers abonnés. Vous êtes déjà 60, c'est super, hein. J'espère que ça va augmenter encore. Car je pense que vous prenez du plaisir à regarder mes vidéos, à les écouter, tout ça. Puis, bon, moi, ça va faire 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo. Du coup, ce sera toujours plus agréable de regarder une nouvelle. Et je pense que là Nico va me filmer un bon petit gameplay aux barrettes. J'ai réalisé sur MW3. Et je pense que là vous allez vous régaler aussi. Parce que c'est un excellent gameplay. Enfin bref, vous le jugerez ça plus tard. Là, on revient un peu sur ce match de team qui a très très bien commencé. Vous pouvez voir le score là, on est à. Non, regardez, je vous parlais de la killcam et la hardscope. Le score on est déjà. Excusez-moi, je vois pas très bien sur le logiciel, je vois pas bien le score. Il me semble qu'on est à 3400 ou je sais pas du tout. Je vois vraiment mal. 3900, non? En fait, je vois mal parce que si vous voulez, sur Sony Vegas, quand on fait le montage et qu'on commente en même temps, on a un petit aperçu de la vidéo, mais on voit pas très 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 bien. J'avais pas été très, je sais pas quoi de fois. Oh, vous voyez que j'ai fait une triple feed. Oui, bon, bref. Je disais, oui, on voit pas très bien sur Sony Vegas et. C'est pour ça que je vois mal le score, il me semble. Là, on est à 4000 et quelques, là. 4500, si je me trompe pas. Enfin, bref. Vous le voyez bien quand vous regarderez la vidéo, donc vous me direz ça. Enfin, bref. Bref, 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 bref. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, j'aimerais surtout remercier Nico. Car c'est grâce à lui que je peux vous uploader ces vidéos. C'est grâce à. À sa. À comment dire? À sa. S'accompagner que enfin c'est un peu le pilier de ma chaîne YouTube hein. Parce que sans lui il n'y aurait pas de vidéo en HD, il n'y aurait pas de gameplay commenté, il n'y aurait pas tout ça, enfin il y en aurait eu mais jusqu'à ce que j'achète mon HD PVR, c'est-à-dire je pense fin du mois prochain, oui le fin du mois prochain ou le fin du ou début ou fin septembre, je sais pas encore, je vais voir parce que j'ai beaucoup de matériel à acheter, l'ordinateur que j'ai déjà mais bon qui est pas assez puissant pour tout ce qui est de montage, tout ça me met un peu de temps. Ensuite j'ai le micro parce que là si vous voulez je dois avoir un son mais vraiment
pas top top, mais bon, c'est le son de l'ordinateur. Alors bon, pour l'instant, je fais avec. Bon, je disais le micro, l'HDPVR, l'ordinateur. Je pense m'acheter un casque pour jouer à Xbox, oui, parce que je ne joue sans casque. J'ai aussi le casque Xbox Live, mais bon, voilà quoi. Ça fait pas tout le jeu. Après, je vais surtout, vu que je viens de rentrer dans une team pro, je vais peut-être bénéficier d'une manette SCUF, mais bon, ça on verra bien. Parce que moi je voulais m'acheter une manette Burn. Ouais, je pense que vous avez vu aussi la caverne de Monsieur Levé12, où il fait le comparatif des deux manettes, que ce soit la Burn ou la SCUF. Excusez-moi. Et ben moi j'ai plus accroché sur la Burn, vous savez, tout simplement parce que on peut pardon, reparamétrer les palettes. Et ça c'est vachement bien. Avec la SCUF, on choisit directement par exemple avec la palette de droite vous choisissez pardon de drop shot. Et en fin de compte vous avez jamais testé, du coup ça va pas vous plaire, vous serez plus à l'aise à gauche, etc. Et là vous serez, excusez-moi le mot, mais vous serez niqué. Qu'avec la burn, c'est l'avantage de reparamétrer, pardon, c'est le matin, j'arrive pas à parler, de reparamétrer tout ça. Enfin bref. Sinon après, l'avantage qu'il y a avec la SCUF aussi, c'est que vous avez du grip. Donc forcément, c'est plus agréable. Voilà, on arrive, c'est la fin du gameplay là. Et on gagne avec une très très grosse avance. Ils ont fait 26 kills en tout, on en a fait 75. Et vous pouvez voir que c'est moi-même qui fais la kill cam en 360. Ouais, vous devez reconnaître mon petit logo You Can See Me en référence à mon gamer tag. Enfin bon. Voilà. J'espère que ce gameplay vous a fait plaisir tout autant que moi j'ai commenté celui-ci. Alors, on se retrouvera, je pense, dans la semaine ou dans la semaine prochaine pour un nouveau gameplay. Et sur ce, les gars, merci d'avoir regardé. Laissez des coms, des j'aime, faites tourner la vidéo. Allez, ciao tout le monde!